Hey, Malo, ici Devroy, et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur la réalisation d'une maison moderne, hyper conceptuelle, hyper stylée sur Minecraft. Aujourd'hui du coup, je vais vous présenter déjà les bases du truc. On est sur la map de Tropicassis, toujours, encore, éternellement. Et du coup, on va mettre cette construction-là en place. Alors, je vais vous donner les dimensions pour réaliser cette maison-là. On va faire d'abord un socle qui va être surélevé par rapport au sol, et par-dessus ce socle-là, on va faire la maison elle-même. Donc, je vais vous demander de vous munir, de vous prémunir gracieusement de pierres taillées, vous voyez, hop, ainsi que de blocs de quartz. Et puis voilà. Donc, je vais vous demander de faire une première ligne de pierres taillées déjà tout jusqu'au fond. Donc, entre ici et là-bas, on a 29 blocs de pierres taillées. Ok, à partir de ce bloc-là jusqu'à ce bloc-là, on a 10 blocs de pierre taillée comme ça. Ok, puis après au niveau du quartz, on en met 3 ici comme ça. Puis après sur la longueur ici, on en a 8. Entre ici et là, on en a 6. Hop, ici 10. 2 ici. 1, 2, 3, 4 à ce niveau-là en pierre taillée par contre, hein, vous voyez bien. Entre ici. Et là, du coup, alors attends, hop, hop, entre ici et là, on en a 6 blocs, ok. On revient à ce niveau-là, on laisse 1, 2, 3, 4 blocs de marge, et on reprend un mur de pierre taillée ici, tout jusque dans ce sens-là, jusqu'à 14 blocs, ok. Puis on va dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs jusqu'ici, hop, puis après on va encore dans ce sens-là, jusqu'à 22 blocs. On reprend de ce bloc-là dans l'autre sens ici, jusqu'à 21 blocs. Et entre ce bloc-là et ce bloc là-bas, on en a 12. Pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé, l'idée c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de large normalement ici. Avec toutes les dimensions que je vous ai données, si vous vous êtes pas trompé, vous avez 7 blocs de marge ici. Ok? Ok, donc une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir augmenter la hauteur des murs en pierre taillée uniquement. Les blocs de quartz, on va les laisser tels quels pour l'instant. Donc toute cette ligne là de blocs de pierre taillée ainsi que la ligne du fond là-bas, on va la mettre à 3 blocs de hauteur, hein. Donc hop comme ça, voilà. Magnifique! On va reprendre du coup l'autre côté là-bas. Alors les blocs de quartz pour l'instant on n'y touche pas. Hop, la partie ici, ok, en pierre, on va la faire à 3 blocs de hauteur. Ok, toute cette partie-là, hop, aussi 3 blocs de hauteur pareil. Et il y aura juste du coup pour le reste, c'est-à-dire cette partie-là, ok, cette partie ici-là et cette partie-là-bas où on ne va faire que 2 blocs de hauteur. Ok, donc je vais le faire rapidement, hein. Si tant est que j'arrive à cliquer au bon endroit. Je sais pas combien de fois j'ai dit cette phrase moi dans ma vie, mais c'est une catastrophe. Hop, voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on fait juste 2 blocs de hauteur ici? C'est pour pouvoir mettre des dalles encore au-dessus, c'est-à-dire qu'on va prendre des dalles de pierre taillée, comme ça, et on va les mettre par-dessus, parce que en fait cette partie-là va nous servir de rebord pour faire une piscine, et donc on va faire un truc un peu stylé, vous allez comprendre plus tard. L'idée c'est que pour l'instant on va mettre des blocs de pierre, des dalles de pierre taillée comme ça, histoire de faire 2 blocs et demi de hauteur, hein. Hop. Paf. Alors, une fois qu'on a un truc comme ça, on va mettre en place le bord de la piscine, c'est-à-dire qu'on va utiliser de la diorite, ok? Pouf, comme ça. Et on va tapisser tout le côté de ces murs-là, ok? Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre de la diorite ici, et partir de là, par exemple, tout jusque-là. Hop, tout le long ici, ainsi que toute la longueur à ce niveau-là. Hop, voilà. Et on va en mettre 3 couches, elle par contre. Ok. Alors, une fois qu'on a ça, du coup, hop, on va pouvoir mettre les escaliers pour pouvoir monter sur le socle, hein. Donc, on va utiliser des dalles de pierre lisse, des dalles en pierre. Hop, alors, du coup, on va utiliser les dalles en pierre, on va les mettre ici, là, collées contre le mur. Donc à 3 blocs, et on va les faire monter comme ça, hop, jusqu'à ici, donc jusqu'à 3 blocs de hauteur, hein. Ok, donc hop, hop,
ok comme ça. Sur le côté, en fait, à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des blocs d'herbe qui vont monter, elles aussi, petit à petit. Donc voilà, des blocs comme ça, des marches un peu en herbe. Hop. Voilà. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a ça, on va prolonger notre dalle en pierre dans cette partie-là. On va revenir comme ça et repartir comme ça pour aller jusqu'à l'entrée de la maison, la future entrée de la maison. Alors, c'est-à-dire que... c'est qu'on va prolonger notre mur ici, enfin notre dalle de pierre, voilà comme ça, jusqu'à 3-4 blocs par devant la... à côté de la piscine, ici comme ça. Puis on va venir coller contre le côté, hop, voilà, sur 1, 2, 3 blocs ici de large, et on va venir, hop, comme ça. Voilà, laisser juste un bloc de marge entre les dalles de pierre et le mur. Et sinon, on va mettre sur 3 blocs ici, comme ça, les dalles de pierre sur tout le long, comme ça, du socle qui nous reste. Hop. C'est tant que j'arrive à cliquer où il faut. Ok. Alors, une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir mettre les blocs de quartz en place déjà, histoire de faire comment on appelle ça? Oui, ce qui sont les blocs de quartz? Ils sont là. Hop, on va utiliser les escaliers en quartz déjà. Donc on va les mettre des escaliers en quartz à l'envers sur toute la ligne ici, ainsi que sur toute la ligne ici, ok? On va remettre des blocs du coup, hop, comme ça. Par exemple, ok, puis en vrai on va remettre, j'ai viré mes escaliers en quartz, magnifique, on va remettre des escaliers à l'envers à ce niveau là et ici, ok, puis on va remettre des blocs de quartz au dessus, on va faire ça du coup sur 3 blocs de hauteur, hein. Donc là ça va être notre dernière couche, hop, comme ça. Et puis on va rajouter des escaliers à l'envers ici, hop, et ici comme ça. Ok, donc là c'est vraiment pour la base de la maison. De l'autre côté, ici à ce niveau-là, on va reprendre nos dalles en pierre. Et on va, hop, utiliser toute la largeur de notre trou qu'on avait fait ici tout à l'heure pour faire un escalier cette fois-ci. Il va monter tout jusqu'en haut des 3 blocs de hauteur de notre socle. Hop, comme ça, ok, et on va prolonger ça tout jusqu'au bout ici, voilà, et voilà, donc là c'est le bord de notre socle, ici tout à l'intérieur on va faire la maison en elle-même, donc il faut que je prévoie ça, l'idée c'est qu'on va utiliser, ok, du béton gris, pour faire le sol de notre maison. On va mettre du béton gris déjà à ce niveau là, au niveau de la piscine. Alors on va faire combien? On va prendre notre bord de piscine ici à ce niveau là, vous voyez, et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs, ok. À partir du 11e, on va mettre un bord ici comme ça, voilà, tout jusqu'à l'autre côté, hop, comme ça. Alors, on va prolonger cette ligne-là, du coup, de blocs sur toute la longueur du bâtiment, touche que l'autre côté, hein, touche que là-bas. Hop. Voilà. Et pareil ici. Hop. Ok. Et donc, toute la surface qu'il y a à ce niveau-là, on va mettre que du béton gris partout. Alors, du coup, une fois qu'on a ça, l'idée, c'est qu'on va venir... déjà faire la structure de la maison, on va finir le socle peut-être d'abord. Vous voyez tous les trous qui restent au niveau de ce socle, ici, là, là-bas, on va tout remplir par de l'herbe. Et après on fera des aménagements au fur et à mesure, mais pour l'instant on remplit tout avec de l'herbe. Parce qu'on aime l'herbe, manger de l'herbe c'est bon. Enfin ça dépend lesquels, hein, faites gaffe quand même. Hop, voilà, donc on remplit tout ça. Voilà, magnifique, merveilleux, tout ça. On va... rapidement changer le sol de la piscine aussi, parce que c'est vrai que comme ça au moins c'est fait. L'idée c'est qu'on va enlever l'herbe ici et on va mettre de la diorite à la place. Voilà, le même bloc qu'on avait mis pour faire les murs, hein, ici comme ça.
Voilà, on enlève tout ça et on met de la diorite, hop, ici comme ça à la place. Hein. Voilà. Alors, on va faire la structure principale de la maison maintenant, hein, ça va être un peu plus simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les blocs de quartz, on va venir au niveau de l'arrière de la maison, là où on avait fait nos blocs comme ça. On va venir mettre des blocs de quartz ici, déjà, dans un premier temps, et sur cette partie-là de la maison, hein, ok, sur cette partie-là, on va faire 9 blocs de hauteur de blocs de quartz, comme ça, en escalier. Hop, ici, comme ça, donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et par-dessus ça, évidemment, on va rajouter des escaliers en quartz, paf, 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 paf. Ok, donc à partir du dernier escalier ici au niveau de l'arrière, on va mettre donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 blocs de quartz en longueur. Ok, voilà, une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est qu'on va venir rajouter une autre couche en dessous. Hop, comme ça. Une fois que on a ça, du coup, on va rajouter des escaliers en quartz sur le bout ici. Paf, paf, un à l'endroit, un à l'envers. Une fois qu'on a ça, on va compter à partir de ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs. Ou plutôt 9. On va mettre un escalier à l'envers ici. Ok. En dessous, ben, on va mettre un escalier à l'endroit. Alors, attends. Punaise, voilà. Voilà, on va mettre deux escaliers comme ça, on va combler tout ici de blocs de quartz, on va mettre ici d'autres blocs ici comme ça, hop, alors non, on va le faire comme ça, vous voyez, alors bon, je vais mettre les blocs d'escalier, vous allez mieux comprendre, hop, 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 hop. L'idée c'est que voilà, on va faire toute une ligne comme ça qui va revenir ici, qui va repartir comme ça, qui va repartir comme ça. Ok, donc on va mettre 9 blocs de distance à ce niveau là, on met un escalier ici, un autre escalier en dessous à l'endroit, 2, 3 escaliers comme ça, ok, à l'endroit, et en dessous 3 blocs d'escalier à l'envers pour revenir comme ça. Ok, donc pour l'instant on va mettre autre chose après à ce niveau là, mais pour l'instant on va tout boucher parce que ça sera plus compréhensible. Je suis en train de tomber. Ok, donc pour l'instant on a ça, ce qui est plutôt pas mal. On va pouvoir aller de l'autre côté de la maison du coup et faire l'autre moitié de la maison. Donc on va reprendre un peu la même idée, on va mettre des blocs d'escalier de quartz ici sur la longueur. On va mettre, hop, comme ça, des escaliers qui vont, enfin des blocs qui vont se mettre en escalier ici. Et arriver au-dessus en fait au niveau du toit, on va relier les deux blocs ici comme ça, et toute cette partie là en fait, ok, hop, va être complètement comblée, toute cette partie là va être comblée de blocs de quartz, hop. Et de la même manière que on avait fait au bout ici, on va utiliser les escaliers de quartz et on va les mettre comme ça sur toute la longueur, pareil au niveau du dessous. Et donc au niveau de l'intérieur du bâtiment, eh bien on va pouvoir mettre une deuxième couche de hauteur sous plafond, ici comme ça, parce que ça rend mieux. Voilà, donc on fait ça aussi, hein, du coup. Hop, bon, ouais, j'ai quasiment fini, du coup, là. Hop, 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 hop. Du coup, de ce côté-là de la maison, on va faire des escaliers ici aussi, pour que ça soit un peu plus joli quand même. Là, ici aussi. Hop, et ici aussi. Voilà. Et toute cette partie-là, en fait, on va la vitrer, on va mettre des vitres dessus, pour faire une grande fenêtre, en fait, en quelque sorte. Nouvelle recette disponible. Ah oui, d'accord, donc bon. On va mettre des vitres ici, comme ça, du coup, paf, paf, paf. Alors, je sais plus si j'ai mis les vitres à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Ou bien, on va les mettre comme ça, on verra bien. Hop. Hop, ouais, donc c'est comme ça qu'on les avait mis à la base. Hop. Voilà, alors là, pour le moment, on va laisser ça comme ça. On va faire la deuxième partie du bâtiment qui va être ici, la plus grosse partie. Donc, on va de l'autre côté et on va faire un peu la même chose qu'on a fait pour cette partie-là du bâtiment. On va mettre des blocs de quartz ici, comme ça.
Et on va monter jusqu'à 10 blocs de hauteur comme ça. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis à partir de ce bloc là, on va aller à 21 blocs dans ce sens là. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok. Voilà, donc là on a le squelette principal, on va dire. Hop, on va prolonger ça ici sur toute la longueur. Paf, la même chose là. Hop, ok. Hop, paf, ok. Ici, on relie les deux bouts comme ça. Le grand trou au milieu, tu l'auras compris, on va le combler avec des blocs de quartz. Ainsi que du coup, de l'autre côté, à l'arrière ici, on va combler avec des escaliers en quartz sur cette partie-là ici, ainsi que sur la partie du dessus. Hop, sur les côtés, évidemment. Hop, et ici aussi du coup on va faire un double toit hein, comme pour la comme à côté. Hop, et donc du coup on va mettre des escaliers à ce niveau là ainsi que hop, deux couches d'épaisseur de toit qui vont se prolonger du coup sur toute la longueur de notre bâtiment. Hop, comme ça hein. Hop, voilà, on fait tout le dessous, voilà. Alors hop, comme l'autre côté du coup, on va utiliser les escaliers pour faire une ligne d'escalier à l'endroit, une ligne d'escalier à l'envers. Hop, ok. Alors, du coup, on va quand même combler le trou qu'il y a à ce niveau-là, hein, parce que vous voyez que de l'extérieur, on a un truc comme ça. Donc, c'est pas un truc super joli. On va combler ça comme ça. Hop, voilà, vas-y, fais ce que je veux. Hop, ok. On peut même, voilà, mettre les deux morceaux du toit ici comme ça au même niveau. Prolonger même ici comme ça. Voilà. Bon, on essaie de faire ce qui marche le mieux. Alors, ce qu'on va faire de différent par rapport à l'autre côté, c'est que sur les bouts ici, vous voyez, on va prolonger les murs comme ça avec du quartz comme ça. Sur les deux côtés, en fait, là-bas et là-bas. Et donc on va faire des escaliers à l'envers ici comme ça. Hop. Paf, les escaliers. Hop, ok. La même chose de l'autre côté du coup, hein, on fait des escaliers comme ça. Ça va nous permettre aussi de faire des séparations des murs à l'intérieur de la maison. Vous voyez, par exemple ici on peut faire un mur là. Hop. Hop. Et donc du coup ces morceaux là de toit, enfin de mur, on va les mettre avec des escaliers à l'envers en dessous. Voilà. Et toute cette partie là, voilà, du mur, pour l'instant on va le compléter entièrement. Et on refera des entrées dessus, mais on fera ça tout à l'heure, le temps de finir vraiment toute notre structure. Hop, voilà, donc là on bouge tout. Hop, hop. Ok, une fois qu'on a ça, on va revenir sur notre maison ici. On commence vraiment à voir que ça avance, hein, pour le coup, ça c'est cool. On va prendre les blocs de béton gris. On va venir ici à ce niveau-là, compter 1, 2, 3, 4 blocs de hauteur. Et à 4 blocs, si vous ne tombez pas dans la piscine comme moi, on va mettre à ce niveau-là, ici, une ligne comme ça de béton qui va se coller à l'autre côté ici. Paf, comme ça. Ok. La même chose de ce côté-là ici, hop, on fait une ligne de béton. La même chose à l'arrière de la maison, hop, on suit la ligne. Ici comme ça, on met une ligne. Hop, et la même chose ici, voilà. Et en fait, vous l'aurez compris, entre tout cet espace-là que j'ai cloisonné, du coup avec des lignes de béton, tout au même niveau, eh bien tout ce niveau-là, on va le remplir complètement de béton. Ok, histoire de faire un plancher pour notre premier étage de la maison. Ok, donc tout comme ça, là, voilà, on met du béton partout, etc., etc.
Yep. Alors du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre les vitres en place. Quand même, ça serait pas mal. Hop, ici, du coup, on va mettre nos premiers blocs de vitres. Hop, pour combler nos fenêtres. Hop. Voilà. Ok. Donc là, à l'arrière, on est bon. Par l'avant, du coup, maintenant, on va utiliser aussi les blocs de vitre, les gros blocs de vitre, comme ça. Alors, par devant, ici, on va utiliser les blocs de... Comment on appelle ça? D'escalier, de quartz, mais à l'envers, ici, pour faire une sorte de rambarde, puisqu'il s'agit d'une reproduction d'une maison qui existe vraiment, donc du coup, j'ai repris vraiment la même chose. Et on va prendre les blocs de verre que l'on va mettre par derrière, et on va faire une grande vitre plate, comme ça. Hop, la seule vitre qui soit vraiment plate en fait dans la maison d'ailleurs, puisque tous les autres vitres vont être penchées, toutes les autres fenêtres vont être penchées, et notamment celle qu'on va faire ici là, qui va être hop dans l'alignement en fait avec les blocs d'ici, c'est-à-dire qu'on va venir faire dans la diagonale comme ça, si j'ai bien compris, et on va venir les mettre jusqu'ici et on va les faire hop prolonger tout jusque là-bas. Ok, donc là on a mis une ligne de blocs en béton en trop. Hop, ici comme ça. Alors, j'arrive pas à rentrer. J'arrive pas à voir ce que je fais surtout. Hop. Voilà. Donc. Voilà, on a une vitre qui est complètement penchée comme ça, comme le reste de la maison, et c'est ça qui fait plutôt un truc intéressant au niveau de la maison. Au niveau du dessous, on va prolonger ça pareil, hein, ici comme ça. Hop. Hop, comme ça. Et puis on a des vitres qui commencent à se faire bien. Là, ça commence à le faire. Ok, il pleut magnifique. Et il pleut plus, c'est magique. Alors, on va utiliser les blocs blocs de verre, pour les mettre à ce niveau-là, là où ça manque, du coup. Hop, comme ça. Hop, et c'est là qu'on va aussi mettre l'entrée pour pouvoir aller à la piscine, parce que là, vous voyez, c'est complètement bouché. Donc, on va mettre une entrée ici, et ça va nous servir pour aller à la piscine. Alors... Ici, du coup, la piscine, tant qu'à faire, on va aussi la remplir. Voilà, alors avec des seaux d'eau, je sais plus comment il faut faire. Je crois qu'il faut faire couche par couche au niveau de la flotte pour que ça se mette bien. Hop, voilà, donc on met des seaux d'eau comme ça, couche par couche. Hop, voilà. J'en ai mis à côté. Il y a des fuites. Hop, voilà. Alors, j'ai oublié un morceau, il y a du courant. Ok, là c'est bon. Eh ben voilà, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Alors du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire les entrées et sorties de la maison. Et après on fera le terrain, enfin le jardin lui-même, ainsi que les petites finitions. Et on sera bon au niveau de cette maison-là. On va utiliser la diorite qu'il y a ici, vous voyez, et on va prolonger cette diorite-là tout jusque ici. Voilà. Comme ça, ce sera plus joli. Ici, là-bas, elle est bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, pareil, les blocs de quartz, et on va venir mettre nos blocs de quartz ici, comme ça, paf, paf, paf. Ou alors, un bloc par devant, peut-être. Voilà, jusqu'à 4 blocs de hauteur, et on va venir les mettre comme ça ici aussi. Alors, l'idée c'est que on va venir prendre nos blocs d'escalier, les mettre à l'envers ici comme ça, à l'endroit ici. Et en fait, on va enlever ces blocs là ici, on va mettre des escaliers à l'envers. Et en fait, cette forme là qu'on vient de faire, ok, ici comme ça, on va la prolonger sur 3-4 blocs de long pour pouvoir... créer une entrée en fait finalement de la maison, donc jusqu'à la route ici par exemple. Hop 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 hop.
Ok. Voilà. Et on va reprendre nos blocs de quartz pour les prolonger ici. Ok. Alors, une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir creuser tout ici là et on va venir rajouter des blocs de béton à tout cet endroit là, puisque du coup c'est l'entrée de la maison. Donc tant qu'à faire, hop, et tant qu'à faire, on va même rajouter un bloc de béton, enfin de quartz ici comme ça. Et on va faire une entrée de maison ici du coup, hop. Voilà, comme ça on va même prolonger tu sais quoi les escaliers à l'intérieur de la maison ici comme ça. Et là du coup ça nous fait une entrée qui est plutôt sympathique. Du coup ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre de l'escalier pour monter au premier étage de la maison. Ça serait pas mal. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire un trou à ce niveau là, comme ça. Ici aussi. Alors on fait non, on va juste faire deux blocs de large ici et on va venir faire un trou au-dessus de la porte histoire que ça soit plus joli. Alors on va utiliser les vitres normales, on va mettre des vitres ici comme ça sur le côté histoire de pouvoir faire une barrière de sécurité pour éviter aux gens de tomber dans le trou ici. Hop, on va faire un peu la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire on va faire une ouverture à ce niveau là hop, non, voilà. Voilà, on fait un trou assez large pour pouvoir faire passer le futur escalier qu'on va mettre ici. Mais avant ça, on va quand même délimiter l'entrée qu'on a envie de faire de ce côté-là de la maison. Donc lui, du coup, ce côté-là de la maison, on va le faire comme ça, par exemple. Voilà, 4 blocs de hauteur jusque là. Ok, donc pareil que l'autre coup, hein, on enlève ce bloc-là, du coup. On reprend les blocs d'escalier en quartz. On les met à l'envers. Hop, et à l'endroit ici, on enlève les blocs ici comme ça, on met les escaliers et on les fait prolonger sur toute la longueur jusqu'à atteindre la route. Hop. Hop, comme ça, ok. Voilà, et donc du coup toute la partie qu'il y a ici en herbe, on va la transformer, la changer en bloc de béton. Histoire que ce soit plus cohérent. Ok. Et toute la partie ici du mur, on va l'enlever pour pouvoir mettre une entrée à la maison sympathique. Hop. Et puis voilà quoi. Donc on a sur une entrée qui est plutôt intéressante. Pour le coup, on va rajouter l'escalier pour pouvoir monter à l'étage de la maison. Donc on va faire les escaliers en dalles de pierre taillées parce que voilà. Hop, et on va faire des dalles qui vont commencer juste à côté de ici, hein, par exemple. Hop, voilà, donc peut-être des deux blocs sur deux blocs, je sais pas. Mais non, mais voilà, ok. On va faire des dalles comme ça. Alors je sais que cette dalle là du coup elle va voler dans les airs, mais je sais pas trop comment faire autrement. Ici on pourra pas sauter jusque là. Hop. Pouf pouf. Hop. Et ici du coup on a un escalier qui est plutôt pas mal, qui permet d'aller au deuxième étage en tout cas. Au deuxième niveau plutôt. Alors donc ici on va mettre un truc comme ça et on va prendre de la vitre et on va venir complètement vitrer l'entourage de notre trou à ce niveau là pour éviter, pareil encore une fois, que les gens se fracassent la tronche parce que les gens sont bêtes hein, de manière générale. Voilà, surtout sur Minecraft, t'as vu la tronche qu'ils ont les villageois. Bref, du coup on a fini la structure enfin de la maison et on va pouvoir passer aux petites décorations. Là ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Cette maison n'était pas simple mais elle était stylée, c'est pour ça que j'avais envie de la faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter des arbres, j'aime les arbres. On va planter des feuilles, j'aime les feuilles. On va planter des dalles en bois, j'aime les dalles en bois. On va planter des panneaux solaires, j'aime les panneaux solaires. On va planter
Et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc du coup, ici sur le devant de notre maison, là où il y a l'entrée principale, on va mettre des feuilles un peu comme ça. Voilà. Et on va faire pousser des arbres ici, tous les... Je sais pas combien de mètres. Chacun, on va les faire pousser, on va les forcer à pousser plutôt, avec de la poudre d'os. Allez, pousse! Ah ouais, mais non, mais... Est-ce que ça fait bien? Ouais, ça passe, ça fait une jolie vue, donc ça passe. L'idée, c'est qu'il faut que ça soit joli et pratique. Faut que ça soit design en fait, c'est ça un peu la définition du design aussi quelque part. Faut que ce soit esthétique et pratique. Voilà, donc on fait du taillage un petit peu quand même histoire de hop. Regardez-moi cette vue là, sans déconner, ça déchire pas. Ah. Voilà, c'est pour cette vue-là, hein, c'est pour ce point de vue-là quand on entre, par exemple dans ta maison, tu vois, il y a quelqu'un qui arrive chez toi sur ton serveur, qui tu fais rentrer chez toi, et là, boum, il tombe sur une maison comme ça, avec la piscine qui donne sur une mini-terrasse devant la maison, avec toute la maison qui est penchée au-dessus de la piscine comme ça. Là, c'est classe, ça c'est ce qu'on veut, ça. Ça c'est bien, ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi utiliser les dalles de pierre et on va venir les mettre par derrière au niveau de notre mur en pierre ici. Parce que je pense que ça fait mieux. Hop. Et ça permet de casser les connexions de texture qu'il y aurait à ce niveau-là. On va faire la même chose de l'autre côté du coup, hein, avec piouf, des dalles ici et des dalles ici. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, on va venir sur le toit de notre maison magnifique et merveilleuse. Et j'ai perdu mes panneaux solaires. Ça, c'est pas bien. Du coup, les panneaux solaires, on va les mettre sur le toit. Hop. Voilà, histoire de faire moderne un peu. Tu vois, c'est tellement simple en fait, les panneaux solaires sur Minecraft, au niveau de la décoration dans le moderne, que c'est limite trop simple, quoi. Alors, ici sur le toit d'à côté, on va faire un trou. Hop, comme s'il manquait de luminosité, tu vois. Eh bien, on va lui rajouter encore de la luminosité avec un puits de lumière. Bon, même si techniquement, il n'y en a pas du tout besoin, vu la taille des fenêtres. Mais on s'en fout, on fait que quand même. Voilà, on va le mettre ici même d'ailleurs le tapis de verre. Ok, on va faire un tapis de verre comme ça. Et on va venir l'entourer avec des dalles de bois sur deux blocs de large. Parce qu'on aime être luxe, on aime faire plaisir. Hop. Donc on fait deux blocs de large. Et il y a un côté qui est plus large que l'autre. Donc on va enlever un morceau comme ça Ah mince, juste au-dessus de la vitre d'en dessous. Donc du coup on va enlever cette partie-là aussi. Hop, on va remettre ça comme ça et on va en mettre ça comme ça ici aussi. On va faire une fenêtre un peu plus petite du coup. Hop, et on va venir mettre deux trucs comme ça autour. On enlève une partie et puis c'est beaucoup mieux. Et voilà. Ah, regarde-moi ça. Regarde, c'est cette maison-là si elle est pas belle. Enfin, eh ben voilà, c'est pas mal ça du tout. C'est pas mal du tout, du tout. Ça, c'est vraiment sympa, même, j'ai envie de dire. Ça me plaît comme maison. Alors, du coup, la prochaine fois, on va s'atteler à faire une maison que je n'ai pas encore faite IRL. Enfin, pas IRL, mais dans le jeu, quoi. C'est juste les futures maisons que je vais vous proposer ici. Ce sont des inventions complètes de ma part, les trois prochaines, là. Et du coup, voilà, ça sera rigolo à voir. Ça sera de l'improvisation, plus ou moins, de la semi-improvisation. On verra ce que ça donne. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, des commentaires, tout ça, tout ça. Je vous souhaite tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine!